catégorie 1. T'as vu l'épisode d'hier? Je m'en remets pas. C'est sur quoi? Avec toutes ces plateformes télé, je suis perdu. Imagine, tout au même endroit. Les chaînes, leur replay dans une seule offre. Le rêve. Ne rêvez plus. Avec Télé Plus, retrouvez l'intégralité des chaînes de la TNT en live et en replay, ainsi qu'une sélection de programmes Canal Plus sur tous les appareils connectés dans une seule application, l'application Canal Plus. Pour 2 euros par mois sans engagement. Télé Plus, c'est toute la télé en live et en replay réunie dans une seule application Canal Plus. Jusqu'au 19 août, en France métropolitaine, soumise à condition. Une seule connexion sur l'application Canal Plus, modalité sur boutique.canalplus.com. Captain, il est pratiquement 15h. Toutes les informations et les infos qui comptent, c'est avec vous. Agnès Bonfillon, bonjour. Bonjour Jean-Alphonse, bonjour à tous. La fillette qui faisait partie d'un groupe d'enfants percutés par une voiture il y a 2 jours à La Rochelle, et dont cette petite fille de 10 ans est décédée ce matin. Information donnée par le parquet de La Rochelle à la mi-journée. Hospitalisée à Tours, elle était en état de mort cérébrale depuis hier. Parmi les 6 autres blessés, une autre petite fille de 10 ans se trouve toujours dans un état très grave à Poitiers. La conductrice âgée de 83 ans circulait à contresens, hospitalisée en psychiatrie après l'accident. Pour l'instant, elle n'a pu être entendue par les enquêteurs. Déjà un hélicoptère des forces de l'ordre dans le département du Tarn. Malgré l'interdiction préfectorale de manifester, les opposants à l'autoroute 69 espèrent une mobilisation massive ce week-end. Depuis hier, un campement a été installé sur la commune de Puy-Laurent et les opposants espèrent bien pouvoir se faire entendre demain. Les déclarations du président français montrent que la France est prête à participer directement au conflit. Réaction du porte-parole du Kremlin après l'interview d'Emmanuel Macron. Hier soir, il a annoncé l'envoi d'instructeurs français en Ukraine ainsi que la cession d'avions de chasse. Ce qui a provoqué également pas mal de réactions dans l'opposition. Marine Le Pen, invitée sur RTL ce matin, a ainsi déclaré « On a l'impression, je cite, qu'Emmanuel Macron veut entrer en guerre ». Ligne rouge franchie également pour le communiste Fabien Roussel. Tout ça, c'est l'escalade militaire, l'escalade guerrière. C'est extrêmement grave. Les conséquences sont lourdes. Soutenir l'Ukraine, soutenir la résistance ukrainienne, comme nous l'avons fait depuis le début. Oui, mille fois oui. Mais faire en sorte que l'Europe entre dans une troisième guerre mondiale, c'est grave. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui remercié la France pour son soutien. Après avoir assisté aux cérémonies hier en Normandie, il a pris la parole à l'Assemblée nationale et sera reçu ce soir à l'Elysée. Direction Roland-Garros. Roland-Garros 2024. Isabelle Langer. Première demi-finale homme à Roland-Garros que vous nous faites vivre. Effectivement, Isabelle, depuis une demi-heure maintenant, l'Italien Sinner affronte l'Espagnol Alcaraz. Quel cauchemar ce début de match pour l'Espagnol Carlos Alcaraz. Il est mené 4 jeux à 1 par l'Italien Yannick Sinner. 4 jeux à 1 et très peu de points gagnés sur sa première balle de service. 41% seulement. Déjà 6 fautes au compteur de faute directe pour Alcaraz. Donc un début de match compliqué pour l'Espagnol face à celui qui marche un petit peu sur la terre battue de Roland Garros, pour ne pas dire marche sur l'eau dans ce début de demi-finale. Yannick Sinner, du beau monde dans les tribunes, notamment l'acteur américain Ben Stiller. Ah oui, quand même. Quand même. Et puis un petit coup de gueule quand même sur l'éloge, la tribune présidentielle où il y a encore des sièges bien vides. C'est un petit peu honteux. Le futur numéro 1 mondial, il le sera lundi, Yannick Sinner, et celui qui l'était il y a encore quelques temps, Carlos Alcaraz. Merci beaucoup Isabelle Langer, on vous retrouve évidemment toutes les demi-heures sur RTL pour nous faire vivre ce match. Rendez-vous donc à 16h, 15h30 même, 15h30 avec dans les grosses têtes. La météo, aménagez votre extérieur avec Batiman pour l'installation de portails, store et pergola autorisés sur mesure. D'une nuit, La Rochelle, Strasbourg. En revanche, le ciel sera plus incertain avec de belles éclaircies, des passages nuageux et des risques d'orage. Finalement, le ciel restera dégagé seulement près de la Méditerranée. Il est 15h03 sur RTL. La suite de l'heure du crime, c'est tout de suite et c'est avec vous, Jean-Alphonse Richard. Merci beaucoup, Agnès Bonfillon. On vous retrouve avec un immense plaisir. À tout à l'heure. Les infos qui comptent sur RTL. À tout à l'heure. Éric Bruyas, le gendre de la famille Mémien assassiné dans son pavillon de Saint-Andéen, le château aura passé la nuit à la prison Saint-Joseph de Lyon, après avoir été mis en examen pour assassinat et destruction volontaire. Retour.
l'écurie de Saint-Andéol dans le Rhône. Quatre personnes d'une même famille, les Bébiens, assassinés au printemps 1995. Le gendre a été mis en examen et écroué. Il nie. Deux ans après les faits, l'enquête arrive à son terme. Jeudi 3 juillet 97, 12h45, reconstitution à Saint-Andéol. Éric Brouillard s'est conduit à la maison de sa belle famille, là où quatre corps ont été découverts dans les décombres en fumant. Il continue à nier le quadruple crime. Il s'accroche à un troisième scénario, bien difficile à croire pour les enquêteurs. Éric Brouillard affirme que le jour du drame, il a reçu la visite de deux grands Lyonnais pour qui il fabriquait des silencieux destinés à équiper leur sein. Il leur a fait savoir qu'il ne voulait plus travailler pour eux. Il s'est disputé. Les malfrats l'ont empoigné. Ils l'ont amené jusqu'à la maison de la belle famille pour le punir. Ils ont fait des exemples. Ils ont tué les quatre occupants de la demeure. Puis ils ont mis le feu. Pendant que les inconnus tuaient tout le monde, le gendre a été obligé de rester dans un coin du jardin, le visage couvert d'un tissu. Il montre l'endroit où il était. Il n'a rien pu faire. Brouillard dit que les deux ont menacé pour embrasser son épouse. Pendant les 10 heures de la reconstitution, Samantha est bien. L'épouse, visage émacié, regard tragique, se tient à l'écart et observe son mari. Pour moi, sa culpabilité ne fait pas de doute, dit-elle. J'aurais aimé que cette reconstitution soit organisée plus tôt. J'espère que cet acte va clôturer définitivement l'instruction. Cela fait 2 ans que mes enfants et moi-même souffrons, attendons, espérons, confie-t-elle au journal Le Progrès. Dans l'après-midi, la jeune femme va se recueillir sur la tombe de la famille décimée, dans le cimetière tout proche du lieu du crime. Et dans cette heure du crime, on retrouve Jean-Olivier Vieux, procureur général honoraire, avocat général lors du procès d'Éric Brouillard. Un mot avec vous, Jean-Olivier Vieux, sur ce troisième scénario, les truands, parce que ce scénario, évidemment, il va prospérer, il va s'accrocher à ce scénario, et on va le retrouver au procès. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ce nouveau revirement? Ah ben, crainteux d'une tour brocamboulesque, imaginez des truands lyonnais, où est-ce qu'ils ne connaissaient pas précédemment, qui se seraient rendus chez ce petit artisan ferronnier pour lui demander de fabriquer des silencieux. Et parce que celui-ci aurait refusé, tenez-vous bien, emmener cet artisan, lui couvrant le visage d'un linge, jusqu'à la maison de ses beaux-parents, l'aurait fait attendre dans une voiture ou dans le train, et pendant ce temps-là, pour se venger, aurait tout simplement décidé d'exterminer cette famille, puis de mettre le feu à la maison. Quelle serait la motivation de truand ou militaire pour un tel risque et avoir une telle extrémité dans leur réaction justifiée par ce refus? Ça ne tient pas debout, 30 secondes. Mal, parce qu'effectivement personne n'y croit, il y a peut-être que lui qui y croit finalement. Maître Gabriel Versini, vous le défendez cet homme, vous êtes l'avocat d'Éric Brouillard. C'est effectivement le problème, c'est que personne ne peut croire à ce scénario, parce que d'abord il n'y a pas de problème avec les constatations du dossier. Thank you.
Et il continue à l'affirmer, hein, c'est une certitude pour lui, il n'a pas tué. Ce que je peux dire et affirmer, c'est qu'effectivement, il est toujours resté campé, voire accommodé, sur une version, puis une seconde, puis une troisième, qui sera la définitive, en fait, et même sur la cour d'assises, sans pour autant, effectivement, aller de l'avant. Et le seul problème, c'est que lorsqu'on se multiplie en version, on n'a plus aucune crédibilité vis-à-vis d'autorité judiciaire. Lorsqu'on est innocent, on en a pas la preuve. 4 ans après la tuerie de Saint-Andéol, le gendre va se retrouver aux assises. Éric Bruyas, 5h30 pour devenir un tueur en série. Quoi que j'ai pu faire, je suis innocent. Innocent, point final. L'enquête de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant sur RTL. Soupçonné d'avoir exécuté sa belle famille, 4 personnes au printemps 95 dans une petite commune du Rhône. Il n'a jamais livré aucun aveu. 4 ans après les faits, il est jugé. Lundi 18 octobre 99, Éric Bruyas, 31 ans, est devant la cour d'assises du Rhône à Lyon. Il se tient bien droit dans le box, beau garçon, grand, élancé, vêtu d'une veste beige, d'un polo clair. Les témoins se succèdent pour décrire un homme ambitieux qui voulait tout tout de suite, un beau parleur qui sait endormir ses interlocuteurs. Un individu organisé et méthodique. On le présente comme quelqu'un attiré par le loot et l'argent. Qui ne fait pas, réplique-t-il. Il est questionné sur sa passion des armes. J'ai dû en acheter 4 ou 5 dans ma vie à des collectionneurs. Les silencieux, je les fabriquais pour lui. De plus de personnes, il refuse les noms. Il réfute son implication dans le quadruple assassinat. Il s'en tient au scénario des truands lyonnais. L'avocat général, Jean-Olivier Vieux, n'y crois pas une seconde. Nous savons que le criminel est en face de nous, dans le box, pas ailleurs. Bruyas répond, quoi que j'ai pu faire, je suis innocent. Innocent. Point final. L'accusation est persuadée que le mobile du crime est tout simplement financier. En exterminant la belle famille, Éric Bruyas aurait fait de son épouse l'unique héritière des biens. Il aurait pu éponger ses dettes et profiter de cet argent. Les psychiatres parlent d'un homme sans aucune authenticité qui vit dans le paraître, dépourvu d'émotions.
On ne vous reproche pas d'être ambitieux, indique l'avocat général. On vous reproche d'être un assassin. Et tous les Rastignac ne sont pas des assassins. 22 octobre, Éric Bruyas est condamné à la perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Tout à fait. L'ex-gendre va tout faire pour sortir de prison, puis il va disparaître.
Éric Bruyas, 5h30 pour devenir un tueur en série. Il reste dangereux, il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. L'enquête de l'heure du crime, je vous retrouve tout de suite sur RTL. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Alex, ça va? Tu te sens bien? Très bien, ouais, pourquoi? Ah, je sais pas, tu me parles d'une polo à 129 euros par mois. Bah oui, la polo, oui, à 129 euros par mois. Ok, d'accord. J'ai combien de doigts, Alex? Vous allez avoir du mal à y croire. Mais pendant les portes ouvertes du 13 au 17 juin, la polo est à partir de 129 euros par mois. Elle est des 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 500 euros, puis 36 loyers de 129 euros si accepté sans membres avec une banque. Valable sur les sélections immédiates du 1er au 30 juin dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur volkswagen.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Leader, encore et encore. Meilleur jet de magasin d'année dans la catégorie fruits et légumes. Ah, le patron, elles sont à 2,19 €. Sont à 2,19 € la barquette de 250 grammes. Ils sont encore et toujours moins chers que l'autre. Oui, je vous ramène la barquette. Tout le monde embarqué. Partenaire officiel de l'UFA 2024, jusqu'au 9 juin, tentez de gagner vos places avec l'appli Lidl Plus. 8,79 € et dévorez 8 pour Régine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Mon plus beau souvenir de tous gagner en million, c'est la tête de ma famille quand je leur annonçais que je partageais avec eux. Ce vendredi, méga jackpot au million de près de 1 Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. Découvrez le nouveau Honda Anyone, le SUV électrique suréquipé de série et son expérience de conduite inédite. Et en ce moment, bénéficiez de 12 800 € d'avantages clients et de 10 ans de garantie moteur offerte. Nouveau Honda Anyone électrique, conçu pour durer. Offre valable sur Anyone 9 dans la limite des stocks disponibles dans le réseau participant jusqu'au 30 juin 2024. Détails et conditions sur Honda.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Chez Jandiland, ce week-end du 8 et 9 juin, profitez de moins 20% avec la carte de fidélité gratuite. Oui, oui, 20% de remise en magasin et sur jandiland.com. Végétal, mobilier de jardin, barbecue, c'est le moment de se faire plaisir chez Jandiland. Jandiland, écrivez votre bien-être. Conditions et liste de magasins participants sur jandiland.com. Et là, tu es quoi? MG4, 100% électrique, à 249 € par mois, sans apport jusqu'au 29 juin. La MG4 berline compacte 100% électrique est à partir de 249 € par mois sans apport sur les modèles en stock uniquement. Exemple pour une MG4 MY 2023, 9 en stock, LLD 49 mois, 40 000 km. Offre particulier non cumulable valable jusqu'au 29 juin 2024 dans le réseau participant si accord Rivalier Licence. Conditions sur mgmotor.fr. Portes ouvertes du 13 au 17 juin. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Éric Bruyas en 1999. Cet homme a été condamné à la perpétuité pour avoir tué sa belle famille, 4 personnes à Saint-Andéol, près de Lyon. Malgré les preuves accablantes, il va continuer à se dire innocent. Vendredi 2 octobre 2015, 16 ans après sa condamnation, les juges refusent la remise en liberté d'Éric Bruyas. Les experts psychiatres le considèrent toujours dangereux. Il n'aurait toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes. Lundi 25 octobre 2021, Éric Bruyas sort de prison après 25 années passées derrière les barreaux, libéré pour raisons médicales. 3 mois plus tard, 12 janvier 2022, il meurt à 54 ans dans la Loire d'un cancer du poumon. En l'espace de quelques secondes, je suis passé de la mort à la lumière s'est faite, comme on dit. Il a donné une image de ça, alors qu'en fait, c'était le diable. La voix de Samantha, elle a été l'épouse d'Éric Bruyas et c'était dans l'émission télé au bout de l'enquête sur France 2. Jean-Olivier, vous êtes procureur général honoraire, vous avez été l'avocat général lors du procès d'Éric Bruyas. Alors je sais que vous n'êtes pas psy, mais qu'est-ce qu'il avait dans sa tête, Éric Bruyas, quand il a décidé de tuer sa belle famille, selon vous? Véritablement, on m'a versé dans l'extrémité. Et ce passage à l'extrémité, c'est quelque chose qui est toujours très difficile à expliquer. J'ai été à l'accusation dans le procès du faux docteur Roman, qui a tué sa femme, ses deux enfants, son père et sa mère. Eh bien, le parcours criminel extrême que j'ai constaté chez le faux docteur Roman, il s'apparente beaucoup à celui d'Éric Bruyas. À un moment donné, parce qu'il
faut qu'il y ait ce besoin de moyens financiers pour réaliser son rêve économique fou, eh bien on va aller jusqu'à l'extrême. Et c'est ça qui est très 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 difficile à comprendre, et c'est évidemment ce qui rend ces personnages extrêmement dangereux sur le plan psychiatrique. Et les expertises qu'il a subies, et qui je vois ont été confirmées tout à fait par les experts qui l'ont examiné en détention et qui n'étaient pas les mêmes que ceux qui l'ont examiné au cours de l'instruction, ces expertises se rejoignent. C'est bien ça le danger, et c'est bien ça qui est vrai. Juste encore un petit mot, Jean-Olivier Vieux. Alors, il y a quelque chose de malicieux chez ce personnage, chez Éric Bruyas, de diabolique même dans son geste, mais c'est également totalement puéril. C'est puéril parce qu'à un moment donné, on est dans une telle extrémité que l'on ne prend pas la mesure de ce qui est crédible ou pas crédible. On se persuade soi-même que l'on est cela, et on voudrait que ce cela soit partagé par les autres. Mais il faut bien comprendre que c'est presque une question de survie. Vous avez rappelé la phrase « quand on avoue, on se pend ». Il était enfermé par ce personnage, et il est pour lui capital, pour sa survie, que le reste de son existence soit non pas celui d'un homme qui était condamné pour avoir tué pour des mobiles sordides, mais celui d'un innocent injustement condamné par la justice. Sinon, il n'aurait pas pu survivre. Oui, c'est ça le drame. Oui, mais vous l'expliquez très très bien, Jean-Olivier Vieux. Maître Frédéric Laliard, vous êtes l'avocat de Samantha Bébien. Dans cette affaire, effectivement, cette femme, on l'a entendu, sa voix. C'est terrifiant parce que des années après, elle continue à porter ce deuil qui n'a jamais été fait de sa famille, de cette tragédie. Oui, de la détention d'Éric Bruyas, un de ses enfants, puisqu'ils ont eu trois enfants, un de ses enfants est allé au parloir à voir son père, les deux autres ont toujours refusé, et à cet enfant, il a continué à expliquer qu'il n'était pour rien et qu'il était innocent, à tel point que ce jeune enfant, à l'époque, qui est allé voir son père, qui était adolescent, il a fallu que Samantha, la maman, quel était le dossier, quelles étaient les versions données par son père, qui ne correspondaient à rien, pour que cet enfant finisse par se convaincre deux, trois années plus tard, eh bien que son père était bien coupable. Mais ça a été tout cela. Il a fallu aussi résister à ces demandes de mise en liberté de la part d'Éric Bruyas, où nous étions régulièrement sollicités pour savoir ce que l'on en pensait. Et l'obstacle insurmontable des expertises a fait que Éric Bruyas n'est pas sorti, mais il avait un parcours parfait en détention, il a eu des diplômes, il n'avait aucun accident, et il aurait pu sortir sans expertise. Et effectivement, il a peut-être trompé son monde jusqu'au bout. Maître Gabriel Versinis, je termine cette émission avec vous. C'est vous qui le connaissez peut-être le mieux, Éric Bruyas, vous avez été son avocat. Vraiment, il vous a marqué, cet homme. Oui, je reste toujours avec l'image de Éric Bruyas. Que j'allais voir à la maison d'arrêt de Villefranche, arrivant d'un pas très lent, le port très altière, la tête haute, esquissant un bonjour du bout des lèvres. Cet homme est une énigme, il restera une énigme. Et c'est un dossier, c'est un homme qui, effectivement, ont marqué mon existence professionnelle. Toujours en mystère, hein, donc même pour vous qui êtes avocat et qui le connaissez si bien. Mais oui, cela reste un mystère, et l'homme par nature n'aime pas obligatoirement les mystères. Il aime les affaires teintées de mystères, mais à la fin, on doit avoir la vérité. Et là, les décennies se sont écoulées depuis 1995, nous sommes en 2024, et personne ne saura rien. Il avait raison, Grigoyan, vous ne saurez rien. Merci infiniment, maître Gabriel Versinis, maître Frédéric Laliard et Jean-Olivier Vieux, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Rédaction en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, Marie Goyer, réalisation Jonathan Griveaux. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Découvrez My Match en exclusivité sur Winamax. Créez votre pari sur mesure en choisissant plusieurs sélections sur un même match de football et obtenez votre code personnalisé. Buteur, score exact, nombre de buts marqués. Avec MyMatch, donnez une cote à votre intuition. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. À tous ceux qui se demandent
Pourquoi les footballeurs sont toujours par terre? À ceux qui pensent que Golaverage, c'est le nom d'un joueur croate. Et à ceux qui demandent... Attends, mais lui, il joue pour Paris ou pour la France? Même si vous n'y connaissez rien au foot, tentez de remporter un véhicule collecteur électrique 5 places Volkswagen et des milliers de cadeaux aux couleurs des bleus en jouant à la borne de votre magasin sur l'application Intermarché. Intermarché, tous unis derrière les bleus. Du 3 juin au 14 juillet, jeu avec obligation d'achat, également disponible en drive. Modalité sur intermarché.com. T'as vu l'épisode hier? Je m'en remets pas. C'est sur quoi? Avec toutes ces plateformes TV, je suis perdu. Imagine tout au même endroit. Les chaînes, leurs replays dans une seule offre. Le rêve. Ne rêvez plus. Avec TV+, retrouvez l'intégralité des chaînes de la TNT en live et en replay, ainsi qu'une sélection de programmes Canal+, sur tous les appareils connectés, dans une seule application, l'application Canal+. Pour 2 euros par mois, sans engagement. TV+, la TV en live et en replay, et dans l'application Canal+. Offre valable jusqu'au 19 août en France métropolitaine, soumise à condition. Une seule connexion sur l'application Canal+, modalité sur boutique.canalplus.com. Et si vous faisiez halte au bord de l'étang de Thon, véritable lagune près de Sète, à la terrasse du Saint-Martin à Marseillan, offrez-vous un plateau de fruits de mer, accompagné d'un verre de Listel. Listel, frais, délicat, un vin gris venu du sud. À l'horizon, son terroir, riche de soleil et de vent marin, baigné par une étendue d'eau azur. Listel, l'état de la Méditerranée depuis 140 ans. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Lundi, en direct, dans la seule émission Radio 100% Fait Divers, l'affaire Joseph Fritzl. Souvenez-vous, ce père incestueux qui a séquestré sa fille pendant 24 ans dans la cave d'une maison en Autriche. Notre récit, notre enquête sur ce criminel hors norme. Roland Garros 2024. Isabelle Langer. Et à Roland Garros, c'est évidemment Isabelle Langer. C'est à vous, Isabelle. Pour la première demi-finale masculine dans ce tableau, 50 minutes de jeu et large avantage à Yannick Sinner face à Carlos Alcaraz. Le futur numéro 1 mondial italien mène 6-2, 1-0. Il a déjà fait le break dans le deuxième set. Sa vitesse de jeu, sa couverture de terrain pose une équation trop complexe pour le moment à l'Espagnol Carlos Alcaraz, qui ne trouve pas la faille, qui n'arrive pas à ajuster son jeu face à cet Italien qui est vraiment étonnant, qui retourne, qui joue très très long et qui tient surtout mieux l'échange pour le moment. Donc bien compliqué pour Carlos Alcaraz, 51 minutes de jeu, 7-0 pour Yannick Sinner qui a déjà fait le break dans le deuxième set. Le vainqueur de ce match se retrouvera, je vous le rappelle, en finale, dimanche, le vainqueur du match entre Zverev et Wood. Et c'est à tout à l'heure, c'est à suivre sur RTL, on vous retrouve dans une demi-heure, Isabelle Langer. Tout de suite, Laurent Ruquier, les grosses têtes sur RTL. RTL. Avec Allopneu.com, choisissez vos pneus en ligne et faites-les monter directement à domicile ou dans un garage partenaire. Allopneu.com, choisissez, c'est monté. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, on va vous retrouver avec vous aujourd'hui. Aussi douée pour écrire des scènes de théâtre que pour en faire à la radio, Isabelle Mergo.
sur au bac, Caroline. Oui, parce que je pense qu'il y a à peu près que lui et Florian Gazon qui puissent répondre correctement ce soir. Comment ça? Cet après-midi. Ah oui. Bon, vous ne comptez pas sur Jérémy Ferrari, Valérie Mérès, Isabelle Mergault et moi, a priori. Ben, ça dépend. À part Sacha Guitry, t'as déjà donné une bonne réponse. Si, ça arrive quand même. Hein. Ça attaque fort. Non, non, mais ça c'est pour Teline. Bien sûr qu'Isabelle, elle trouve des... Bah, oui. dans le vieux cinéma des années 50 et tout, elle trouve plein de trucs. Ouais. Non, mais c'est pas une... J'ai pas dit dans lequel elle jouait, j'ai dit qu'elle trouve des trucs. Voilà, pour une fois qu'il est gentil. De... Même si elle jouait dedans. Et puis sur Hector Obike, on aura les réponses aux questions peinture. Exactement. Les réponses interminables. À mardi. Et dès l'instant où nous sommes sortis d'église. À mardi.
Bon, hein? Thank you.
Oui, sans doute. Thank you.
Oui, papa. Le 5 fois, commence du début jusqu'à la fin. 5 fois, pas plus 3. Comme ça, tu te rends pour le soir. Fais comme si tu fais l'audition devant les ongles. Tu commences étape par étape. Regarde, allez. Bisous. Allez, étape par étape. Allez, je vais te faire bisous après. Après. On fait 5 fois. Oui.
Thank you.
Mm-hmm.